La rivière Lukunga est une rivière qui traverse la capitale Kinshasa en République démocratique du Congo, un affluent du fleuve Congo. Kinshasa se trouve sur une plaine entourée de collines, drainée par de nombreuses rivières. Parmi celles-ci, le Lukunga est l'une des plus importantes, et pour cette raison qu'elle a donné son nom au district Lukunga de la ville. La rivière prend sa source à l'ouest à une altitude de 520 mètres dans les collines de Ngomba Kikusa, dans la commune de Ngaliema. Elle n'est pas plus large que 10 mètres et n'est jamais plus profonde que 2 mètres en raison des dépôts constants de sédiments. La rivière draine Ngaliema, le quartier de Mama Mobutu et une partie du Mongafula, et forme la frontière entre Ngaliema et Mongafula. L'essentiel a été et reste pour moi la prise de conscience nationale. Cet orgueil national qu'on trouve chez n'importe qui parmi mes concitoyens, c'est ça qui compte pour moi. Mobutu Sese Seko. Kinshasa. Lancement des travaux de construction des avenues. Chers Kinois, hier, nous avons franchi une étape significative dans notre quête pour améliorer les infrastructures de notre capitale. J'ai eu l'honneur de lancer les travaux de construction des avenues Kwilu, Kimwenza et Wangata, ainsi que la réhabilitation de l'avenue Colonel Ebeya. Ces projets, qui couvrent un total de 20,4 km, visent à désengorger les principales artères de Kinshasa et à fluidifier la circulation dans nos quartiers. En utilisant des chaussées rigides en béton, nous garantissons la durabilité de ces routes pour le bien-être de notre population. Je tiens à souligner l'appui indispensable du président de la République, SEM Félix-Antoine Tshisekedi, qui est à l'origine de cette initiative. Ce projet s'inscrit dans la vision de développement et de modernisation de notre ville, et je vous invite, chers habitants, à participer activement en veillant au bon déroulement de ces travaux. Votre vigilance et votre implication sont essentielles pour garantir que ce projet se concrétise dans les délais impartis et avec la qualité attendue. Je me suis également assuré hier du bon démarrage des travaux sur l'avenue Wangata et de l'avancée significative des travaux de bétonnage sur l'avenue Colonel Ebeya. L'objectif est clair, livrer ces routes d'ici fin décembre. Ensemble, avec votre soutien, nous bâtirons une Kinshasa moderne, résiliente et à la hauteur de nos aspirations. Continuons à avancer, main dans la main, pour faire de notre ville un modèle de développement urbain, message tweeté par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba. Si je pouvais tout recommencer, je serais agriculteur. Mobutu Sese Seko. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ Insport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.